Le premier voyage de Charlène de Monaco en Afrique du Sud après 2021 a débuté le 22 septembre 2023. Lors d'une interview, la princesse s'exprime sur les rumeurs dont est victime son couple. Le couple Charlène et Albert de Monaco fait l'objet de plusieurs rumeurs de séparation. La princesse monégasque a effectué son premier voyage en Afrique du Sud le 22 septembre dernier. Lors d'une interview accordée à un média local, Charlène de Monaco déballe tout sur son couple. La princesse Charlène de Monaco a toujours choisi la voie du silence vis-à-vis des rumeurs qui courent depuis de nombreux mois sur son couple. Charlène et Albert de Monaco sont au bord de la rupture. La princesse Charlène ne peut d'ailleurs voir son mari que sur rendez-vous. Charlène est coupée du monde. Autant de rumeurs qui ont alimenté la presse People ces derniers temps. Charlène de Monaco a attendu son premier séjour en Afrique du Sud depuis 2021 pour dire ses quatre vérités à propos de ces rumeurs qui ont fini par l'exaspérer et l'épuiser. Rappelons que la maman des jumeaux de 8 ans Jacques et Gabriella s'est rendue dans son pays natal dans le cadre d'une visite éclair de 3 jours, le 22 septembre 2023. Charlène de Monaco y était pour un événement caritatif organisé par sa fondation le Motorbike Challenge, précise le magazine Marie-Claire. L'ancienne nageuse de 45 ans n'était pas accompagnée de son mari. Ses deux enfants n'ont pas été du voyage non plus. La princesse monégasque a tenu à faire de rares confidences lors de son interview auprès du média local News 24 afin de faire taire les rumeurs sur son couple avec le prince Albert II de Monaco. Elle a tout d'abord tenu à expliquer pourquoi ce dernier et les enfants ne l'ont pas accompagnée en Afrique du Sud. Charlène de Monaco s'ouvre sur ce qui son couple la princesse monégasque explique que son époux, le prince Albert de Monaco, avait des engagements royaux et que ses enfants ont école. C'est pourquoi je ne suis là que pour quelques jours, car je dois retourner auprès de mes enfants, a-t-elle précisé. Rappelons qu'à cause d'un problème ORL, Charlène de Monaco est restée séparée de sa famille pendant 8 longs mois lors de son dernier voyage en Afrique du Sud. Son interview accordée à News 24 était l'occasion pour elle de mettre les choses au clair à propos de son couple. Il n'y a rien qui cloche dans notre mariage et je trouve ces rumeurs épuisantes, déclare Charlène de Monaco avant d'ajouter je n'arrive pas à comprendre d'où elles viennent. J'ai l'impression que certains médias ou certaines personnes veulent nous voir nous séparer.